Bonsoir, à la une de l'actualité de ce mardi 2 octobre, s'il y a un deuxième mandat, la pension de vieillesse passe à 13 500 roupies. C'est la promesse qu'a fait le Premier ministre Pravin Jugnauth à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées au SVICC à Paris aujourd'hui. Il a aussi fait savoir que les personnes âgées de 60 ans auront droit à un médecin à domicile. Le leader de l'opposition a rendu visite aux trois grévistes qui se battent toujours pour la création d'un land division à la Cour suprême. Xavier Luc Duval fait ressortir le manque de sérieux du gouvernement actuel sur le dossier. Le procès de choc Catalyst-Soudan a été renvoyé au 3 avril 2020. La raison est que l'ancien ministre du Logement et des Terres est admis à l'hôpital Wakens depuis le 29 septembre dernier. Ses avocats ont présenté un certificat médical à la Cour. Merci d'avoir été les nôtres. L'information continue sur l'express.mu.